Et c'est aussi maintenant je trouve pour une vidéo sur Mafia 3. Donc j'ai pas encore joué. Difficulté. Aide à la visée désactivée. Moyenne. Ah non. Magnifique. J'espère que les graphismes ne sont pas comme ça, sinon. J'ai vu quelques vidéos et ça avait l'air d'être pas mal. Juste la conduite dans les vidéos, je peux trouver bien, mais après j'ai pas conduit donc on peut pas savoir. Moi je vous laisse lire. Moi je sais pas lire. Ouais, en fait c'est un gang et tout voilà. Waouh. What the fuck? Wow. Merde. Et compte-t-elle la remplacer?
27 février 1968. Mardi gras. Oh. Ah. Je suppose qu'on incarne lui. Alors, oh. Lincoln, prends les clés. J'espère qu'ils vont nous apprendre comment jouer. Genre, ils se prennent la maille. C'est une porte. T'as mal de se garer comme ça. On peut pas sortir. Les clés sont dans notre pièce. Prends-les, qu'on puisse foutre le camp. Pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser comme ça. Il est venu avec le camion comme on lui a demandé. Il a même tué son partenaire pour arranger le tout. Mais si t'as un doute, pourquoi prendre le risque? Oh cool. Comment on fait pour balancer? Déposer le corps. Cette fois-ci, on fait ça. Oh non! Oh merde. Ok, c'est comme ça alors. C'est ce que je voulais faire. Puis on leur a laissé cramer, ça aurait été pareil de toute façon. Une balle dans la tête, une balle dans le cœur. C'est pas mal. Tu conduis. Sur la manette du Allez viens, on se tire. J'arrive pas à démarrer cette grosse merde. Oh. On roule tranquille, hein. Faudrait pas que les flics. Ça va la conduite en fait. Mon vieux voulait qu'on laisse un des gardes en vie pour mettre les fédéraux sur une mauvaise piste. Il l'a dit toi-même. Pourquoi prendre le risque? Et si j'ai appris quelque chose au Vietnam, c'est que si un type compte te la faire à l'envers une fois, il risque de le faire une deuxième fois. Et de t'enculer au passage. Bon alors, c'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu là-bas? Vaut mieux que tu saches pas. Hé, hey, je suis un contribuable. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. On va se faire remarquer par les flics si t'écrases les gens. Ah merde, on n'a pas le droit d'écraser les gens. Comme je disais... Je sais pas, pourtant c'est les États-Unis, hein. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. Giorgi Marcano paie des impôts. Évidemment, je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en taule pour un putain de paplard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? Bon, au pire, je vais improviser parce qu'il est on bizarre. On était sur GPS, la côte de Quen Lai. On évacue les civils avant que les Viet rapides dans le coin. Bref, on les faisait embarquer sur le bateau hôpital. Et une femme se pointe en tenant un bébé d'une main et un cochon on laisse de l'autre. Il commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour deux. Aussi sec, elle balance le bébé à la baille. Le type Jean. Met un plomb, envoie un gars pêcher le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond. Je pourrais toujours avoir un... Je t'avais prévenu. Je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Essaie d'imaginer un peu les conditions que c'était, putain. T'es tranquille à faire pousser ton riz et à élever ton bétail. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup. Pourquoi ils roulent tous à l'envers? Ah, on n'est pas en Angleterre. Oh, très étrange cette map. J'espère qu'ils ne font pas nuit tout le temps. Oh, la lune. Dis donc, elle est bien grosse. Attention. Désolé. Voilà. Un petit peu disproportionné. Garde de la réserve seront certainement pas... Désolé. Qu'est-ce que tu fous? Oh non. Bref, les gardes de la réserve seront certainement pas trop chauds oh, pour cool. que tu balades avec ton arme. J'ai laissé ça sous le siège. On peut laisser le véhicule renversé et on peut... Ah mais c'est un rond-point.
peut le redresser. Genre, c'est pas grave, on s'en fout. Regardez, on est des tuglifs. Merde. Trottoir, il est trop haut. C'est le camion. Là, on va voir si ces fausses cartes d'identité valent le coup. Salut, mec. Je sais pas s'il nous laissera entrer en vrai. T'as un trou de cul. Ah, ça a l'air d'être bon, hein. Bande d'or, 4 vous. Vous êtes moche, monsieur. Au revoir. Ouh. Est-ce qu'il sait bien se garer? Bon. T'inquiète, mec, je gère. Je ferai une réflexion sur la chaleur, ce sera le signal. D'accord. C'est parti. Ouvre. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de quota. Tu m'appelais comment, toi? Tu vois le topo? Mais où est ce putain de pays, je vous jure. C'est Taras, toi. Hein. Comment on fait pour sortir le flingue? Tu peux me suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Oh. Et vous avez en tout 238 546 dollars et le plus gros en petite coupure. Madame Gale passera un coup de fil à votre bureau quand on aura terminé. Au revoir. Merci beaucoup. Oh merde, dommage. Ça s'appelle une radio, ça. Dépose le canoncier. Tu portes une arme? Ouais. Je suis toujours en formation. Tant mieux. Des jambes. Ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. L'incinérateur est au sous-sol. Par ici. Je vous avais jamais vu avant. C'est où qu'on descend? Je suis parti en Géorgie. Oui, il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'un an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Ah merde. Il a été dans la Navy pendant deux semaines. C'est bien fait. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. C'est vraiment la merde. J'essaie de bousculer les gens. Triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot. L'incinérateur, donc là, il y a l'escalier, on va essayer de descendre. Voilà, je les ai perdus, merde. Oh là, elle est bien faite la mini-carte, j'avais même pas fait attention qu'il y en avait une. Ah ouais. Trop bien faite. Salut. Tu as un bisou. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là derrière. Pardon. Va te faire foutre. Parce que je suis nègre. Putain, vise-moi ça. Faites niquer ta race. Je pensais pas qu'il y aurait autant de blé. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. Ouais. On se demande à quoi ça rime. On y est. Faut imiter les gens pour s'intégrer. Pose ces sacs sur la table. J'avais jamais vu ça. On sait que ce serait plus grand. Ça marche plutôt bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Putain! Il fait une de ces chaleurs ici. Avant j'utilisais du charbon, mais on est passé au fuel. Ah, donc la table. Ça maintient mieux la flamme. Tiki Taras, regarde. Hop. J'ai pas fait exprès. Désolé. Quel abruti celui-là. Et ma main qui a glissé. Dany et Elise devraient plus tarder. Attends. Laisse-moi une seconde. Faut pas qu'on laisse le corps là. On va le brûler. Non, on peut pas. Bon, on va le laisser là. Voilà. Bon, tu t'occupes des gardes. On va dire qu'il essaie de te faire discret. Faut éviter qu'ils nous prennent dessus. Je sais ce que je fais. Cool. Tu sais quoi? Je prends une vie à pompe. Recharge.
Ils me connaissent pas, c'est des fous les mecs. Merde, voilà. Là. Est-ce qu'on est bon ici ? Voilà. On dirait qu'il est constipé. Oh non ! Mon allié s'est fait toucher. Ta gueule, toi. Putain, mais c'est de la merde ce fusil à pompe. Ils l'ont acheté à Jiffy. J'élimine. Il m'a coincé ! Quoi? Crève, truc. On va essayer de pas les tuer parce qu'ils ont rien fait. À part nous tirer dessus. Oh! Non! Tu peux pas venir m'aider? Merde, j'ai tué. Oh, une tête! L'enfoiré m'a piégé. Oh. Ah mais j'ai plus de mune, merde. Je fonce à couvert. Ah, je suis à sec. Là-bas. Il a pas des mune, lui. Ah. J'aurais peut-être dû mettre en facile. On va se les faire, ces enculés. C'est qui, ça? Tiens, nique ta mère. Trop de cul. Ken. Ah. Je vais te buter deux fois. Oh, trop petit ce que j'ai fait. Contrôle. Vous pouvez régler l'aide à la visée sur faible maximum ou la désactiver complètement. Oh, ça va, faible pour l'instant. Oh putain, on a bien tapé dans la fourmilière. Donne-moi ça. Tu vois, moi je prends celui-là, trop stylé. Toi, tu rien, rien, rien. C'est ça, non. On va entendre parler de ça, mon vieux, on va en travers. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est la porte de l'armurerie. Ok mec, je gère. T'as un problème quoi, toi? C'était pas si difficile. Dégage toi, espèce de faible. Il se sert pas du bon côté en même temps. Ah mais carrément il va la crocheter. Moi je relance une grenade. Ah. Voilà. Ouh. Oh. C'est un quoi ça? Cool. J'ai l'impression que c'est 1911. Non, c'est pas ça. Envoyez-leur les fumigènes. C'est pas grave, on s'en branle. Putain mec, ils rigolent pas ces cons. J'ai vu pire au Vietnam. Un peu de fumée, ça fait de mal à personne. Reste près du coffre et surveille la foreuse. Je m'occupe de ces connards. Ils sont où? Regarde, il est juste là. Quelqu'un... Oh! Oh! Avant le Mardi Gras. Oh! Oh! Non. On me bat les couilles. Ah, c'est mon concierge.
Oh le bâtard! Option. J'ai vu avec la carte du jeu dans la boîte, elle a l'air grand. Faut aller où? New Bordeaux. Activé. Ok. Alors comment va Samy? Depuis qu'on a reçu ton télégramme pour me dire que tu rentrais, il est comme un fou. Et si l'avion s'écrase, et si le train a du retard, et s'il le rappelle. Ensuite, il se plante devant la fenêtre de la cuisine, et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Lui dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Depuis maman... Merde. Tu sais comment il peut être. Cool, c'est une propulsion. De faire des retours de flamme. Ah oui, c'est à craindre si vous commettez des crimes agressifs de façon suspecte. Code de la route, zone vigilante. Okay. Et puis merde, c'est ta bagnole. Vas-y, bordel, vas-y, il faut qu'on se grouille. Non mais oh, tire pas là, oh, c'est bon. T'inquiète, vas-y, je gère. T'as une mauvaise influence, mon frère. Où est-ce que j'en étais? Tu te rappelles Marty et Ron Langford? Ouais. Ils ont déménagé à Empire Bay un an après ton départ. Et ils ont commencé à fourguer de l'herbe. Ils m'appellent pour me demander si je veux quoi que ce soit. Je dis ok, moi l'argent facile, je suis pour. Bref, il y a un mois, Marty me dit qu'il passe à l'héroïne. Et qu'il a besoin de quelqu'un dans le quartier. J'imagine que ça, ça a pas dû plaire à Samy. Je l'avais jamais dit pour l'air. Ça regardait personne. Mais ça, il fallait que je lui en parle. J'avais pas dit trois mots qu'il a commencé à hurler sur les fédéraux. À dire qu'on n'avait pas besoin que J. Edgar nous casse les couilles. Et quel abruti j'étais. Et que c'était honteux de vendre de la cam sous les yeux des enfants du quartier. On vend pas de cam aux enfants. Comme s'ils avaient du fric pour se la payer. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. Je connaissais deux, trois types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défriser quelqu'un qu'il fallait pas. Avance, c'est rouge là, ça a passé au vert. T'inquiète, je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai parlé à Georgie. Ça m'étonnerait que ça allait marcher là-dedans. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On touche pas à Del Rey ni à Frisco. On se limite au quartier français. Donc le loup de Georgie dira que dalle tant qu'il bouffera au râtelier. Ça me plaît pas. Saucier, je suis sûr qu'il sera d'accord pour partager en trois. Je sais pas, j'ai besoin de rester un peu dans mon coin histoire de réfléchir. Ouais, d'accord. Attention! C'est ma place. Allez, on va entrer par devant. Avec un héros comme toi, je vais pas passer par derrière. C'est grave. Pas moi. Oh, il répète bien ce chien.
Ouais. 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 Je crois qu'il n'y en avait pas. Ça dépend ce qu'il y a derrière la porte. Oh, on peut pas aller dans la chambre. Vas-y, cours. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très chic. C'est quoi ça? Oh, Playboy. Comment on fait pour le lire? Ah, des courses de chien. Il n'y a rien d'autre à bouffer dans cette cave. Bon. Pas très bien entretenu cette cave. Bon, allez, vas-y, je vais dormir un petit peu. Je passais une très bonne nuit. Alors, est-ce qu'il a mal à la tête? Oh, c'est mon armoire. Oh, je suis vénère, je défonce tout. Okay, on peut renverser ça? Non. J'aurai tout renversé, j'aurai tout mal dingue en l'air, tout hein. Je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc ce jeu est bien. Je trouve assez bien. La conduite c'est pas mal. Bon, pas autant bien que GTA, mais GTA c'est pas réaliste. Sympa. Donc si vous devriez l'acheter, bah faites comme vous voulez, moi je m'en fous. Bon, abonnez-vous, laissez un like, allez, salut.